J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi 6 avril. Du coup, là, il est très tôt. Il est 6h34. Aujourd'hui, c'est le départ pour Dijon. Donc, je suis assez contente. J'espère que je vais trouver ce que je voulais. J'avais vu la dernière fois, mais vu les relations changent, j'ai un peu peur, mais bon, on va croiser les doigts, et vous allez croiser les doigts pour moi. Là, je vais aller me maquiller. Voilà, j'avoue, c'est un peu dur ce matin, niveau réveil, mais ça, c'est un peu comme d'habitude en ce moment. J'ai très froid, donc je vais vite m'habiller. Donc voilà, je vais me maquiller. J'avoue que je suis pas trop fan de maquiller comme ça tout le matin vu que c'est pas la lumière naturelle, mais bon, on va faire comme on peut. Je vais mettre un truc sur mes jambes parce que j'ai froid et il y a l'air d'être caillé dehors, mais voilà. Donc bref, il est là, il est là. Bon, vous le voyez pas beaucoup, j'ai l'impression, dans les vlogs, mais bon. En général, quand je vlog, il dort ou il est en promenade, donc voilà. Mais il est toujours là. Non, tout à fait. Là, je voulais faire une pause dans mon make-up pour montrer le ciel, comment le ciel il est. Il est trop beau. Donc, vous voyez, là, c'est mon lampadaire. Là, c'est mon comment ça s'appelle? Dans ma chambre, là. Bref. Sur ce, moi, je vais me retourner à ma maquiller. Bon, bah, je suis de retour. Il est midi 25, donc je vais me dépêcher de montrer vite fait. Je vais tout voir, on l'adore. Donc je reviens du coup de Dijon. Je suis en train de penser que ma mère m'a... Faut que je regarde, mais je crois qu'elle a oublié de me donner des trucs. Donc j'ai eu ma commande Sephora, j'avais un doute sur le fait qu'ils me le mettent dans la boîte aux lettres ou alors en point relais. Parce que en général, normalement, Chronopost, c'est un peu obligatoire. On doit être là et signer quoi. Une fois sur deux, ils le font pas. Donc, je pense qu'ils font pas très bien leur boulot, mais bon, bref. Du coup, c'est 95% tarte. Il me saoule cet appareil photo de pas faire le truc. Donc, je vais vous montrer vite fait, sachant que je pense que je vais faire un haul quand je ne sais pas. Mais je vais essayer de vous le filmer rapidement, sachant que là, il faut que je charge l'appareil photo. Donc, alors, j'ai pris la Tarteist Pro. C'est celle qui me donnait envie le plus, mais je pense que la prochaine fois, je me prendrai la Toasted, parce qu'elle me dit vraiment bien. Du coup, j'ai eu un peu un coup de stress, parce qu'en fait, je voyais du fard à paupières, des traces de fard à paupières, sur les packagings, et j'ai dit non, pourvu que je l'ai pas explosé. Mais au final, il y a juste
un phare et je pense que je vais essayer de le réparer, mais je ne sais pas avec quoi. Je sais que je faisais longtemps avec de l'alcool, mais apparemment c'est pas si bien que ça. Donc dites-moi avec quoi il faut que je répare un phare. À moins que je le laisse comme ça, on verra. Ensuite, je me suis pris le fond de teint et je suis bien tombée. Il est déjà choisi. Donc j'ai le 313N et c'est ivory. Ensuite, je me suis pris la palette Hampton Weekend, donc c'est une palette bronzer, blush, highlight. Je me suis pris un Tarte Pro. Ah non. Un Tarte Lip Paint. Et du coup, j'ai pris le Front Row. J'ai pris une mini palette, c'est la Tartelette Flirt. Je me suis pris leur nouveau masque comme ça. Et en fait, avec le code Tutti Frutti, j'avais une pochette Too Faced. Et comment vous allez? Canon, franchement, j'adore. Et en fait, dedans, il y a un mini Better Than Sex. Donc ça me permettra de retester ce mascara, parce que j'avais pas trouvé un truc de ouf, quoi. Et en échantillon, j'ai pris ça et un truc filler, voilà, comme ça. Après, en nouveau échantillon, en ce moment, il n'y a pas tellement de choses. Donc, j'étais un peu sceptique. Mais du coup, au niveau de Primark. Y a des trucs, c'est pas à moi. Genre, ça, c'est pas à moi. Bref, je pense qu'elle va me devoir. Elle va me devoir des choses, hein. Parce que ça, c'est pas à moi. Je sais qu'il n'y a rien d'autre. Quoi ça? Ah, bon, mais, bref, je vous ferai un haul. Sachant que là, il manque des choses que j'ai acheté à Tico. J'ai acheté un fond de teint, Tico. J'ai acheté le fond de teint, là, le best-seller qui fait fond de teint et fond de teint. J'ai acheté la fameuse poudre que je voulais tester et un pinceau. Mais c'est ma partie là, on l'adore. Dis-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Ça fait 2 commandes que je passe, je sais pas. Et à chaque fois, sans demander, j'ai des boîtes comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est devenu automatique, si c'est au hasard, mais j'avoue, c'est un peu du gâchis. Alors, ça peut être utile, mais moi, j'en ai déjà plein et du coup, je les donne à ma mère. Voilà, mais c'est vrai que ça peut servir, mais bon, moi, ça me sert pas trop, quoi. Bref. Bref, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard. Je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Je vais aller me démaquiller malheureusement, mais je vous ai même pas montré mon maquillage. Mais du coup, j'aime bien ça, ce maquillage-là. Donc, mettre du violet en coin externe et en coin interne. Oui, si c'est ça, je sais jamais. Du rose en creux de paupière et du coup, le bleu au milieu. Donc j'aime bien ce maquillage là et ma mère elle a dit ouais on dirait que ça fait un arc-en-ciel. C'est ça qu'elle m'a dit, je sais plus. Mais du coup j'aime bien faire ce make-up. Il faut que ça me change. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le Nils Suède, le Rosé The Day. Il me semble que c'est le plus mieux. Donc voilà pour ce que j'ai. Du coup, j'ai faim, donc je vais aller manger. Je ne sais absolument pas ce que je vais manger. Il faut que je vous montre. Parce que je suis en train d'enlever les chaussures en même temps, on l'adore. Du coup, ouais, faut que je vous montre Hutch parce que c'est à voir. Je vais me casser la gueule. Monsieur Hutch, qui est, je pense, depuis ce matin, hein, je pense, comme ça. Un mot de deux. Donc, je vais l'enlever, hein, évidemment. Je vais pas le laisser comme ça parce que c'est un coup à ce qu'il pisse sur mon manteau. Hein. Clairement, j'ai pas envie. Donc, ok, il est bien, mais c'est pas trop fait pour, hein. C'est à moi. C'est mon manteau à moi. Bah oui. Bref. On va aller manger. On va aller manger. Oui, il y a un bordel. Il faut que je range. Il faut que je range. Maman, faut qu'elle range. Je vous retrouve.
Très tard, il est plus de 7 heures, je sais même pas qui arrivait. Du coup, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est le magazine Elle. En fait, il y a un mini mascara tarte, donc j'en ai pris 3. Donc voilà, hein. Pour le prix, je m'en suis pas privée. Donc voilà, par contre, les lits, je pense que je vais les donner. Je vais en donner un à ma mère. Et j'en mettrai un à l'occasion quand j'aurai chez le médecin. Du coup, j'étais chez Tally Welsh. Je vais vous montrer parce que franchement, c'est rien de ouf. Je me suis pris deux jeans. Je vais vous montrer. Ils sont simples, honnêtement. En fait, c'est les mêmes que celui que je mets tout le temps. Le bleu. En fait, c'est la même gamme, sauf que c'est des couleurs différentes. Voilà, il n'y a rien de ouf, honnêtement. Moi, j'ai du coup, chez Tally Welsh, le 36. 38, mais des fois il y a du 36 et du 38. Là c'est vraiment taille 36-38. Il y a 32-34, 36-38. Donc moi c'est la gamme push-up, push-up medium white, push-up skinny. Push-up, je vois pas de grosse. Différent, mais c'est vrai qu'il est bien. Je suis bien dedans, quoi. Donc, je vais vous montrer. Le premier, c'est un gris noir. J'en ai pas, enfin, si, j'en ai un. Je l'aime bien, il est très juste. Celui-là, je l'ai clos et déchiré. Je l'aime bien, mais c'est vrai que j'en voulais un tout simple. Il est tout simple, il n'y a rien de plus simple que ça. Voilà, c'est la gamme Goldie, comme ça, et comme je vous dis, 36-38. Et le deuxième, il est couleur comme ça, c'est la même gamme push-up et Goldie, pareil, du 36-38. Et en fait, le détail, le seul détail, c'est la bande blanche. C'est vrai que ce qui manque dans cette gamme là, c'est plus de différence. Je pense que la prochaine fois j'en ai vu un bleu foncé, et en fait en bas c'est il y a des espèces de strass. Donc je suis pas sûre que c'est la même gamme, mais c'est vraiment cette gamme là push-up Goldie qui me va parfaitement bien. Donc je suis contente d'avoir de nouveaux pantalons. Après voilà, le bleu avec la bande blanche, il a coûté quand même 35 €. Donc c'est quand même un coût. Et l'autre, le noir, il a coûté 30 €. Donc c'est pas donné, mais c'est des bons jeans. Et c'est les seuls qui me vont, en fait. Voilà, c'est les seuls qui me vont parfaitement bien, qui ne tombent pas, qui ne me serrent pas. Voilà, c'est le best, quoi. Donc moi sur ce, je vais aller manger, parce que j'ai la dalle. Vous remarquez que j'ai beaucoup plus d'appétit en ce moment. Je ne sais pas trop pourquoi. Allez savoir, hein. Je ne sais pas. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai le tarte que j'ai eu. Au niveau du fini, ça va. Il est longue tenue parce que vous le voyez. Après, j'ai ni mangé ni bu. Que si j'ai bu, la preuve c'est que je l'ai sur la main et il ne part absolument pas. C'est rare. Bref, moi je vais aller voir ce que je vais à manger. Je vais faire peut-être des pommes rassolées parce qu'il me reste encore du riz, mais je crois que je vais pas en avoir assez. Et sinon, le plat, je me suis refait des lingettes. Pour nettoyer mes bureaux, etc. C'est vrai que c'est vachement pratique. Et j'étais à bout de ce que j'avais. Donc voilà. Sinon, j'ai repris du riz et j'ai repris. Attention, je vais vous montrer. J'ai repris. Voilà. De la pâte à outils.
C'est mon obsession. Ouais, mon obsession du moment. La pâte à poutine est crue. Donc, je sais pas, je sais que c'est pas très bon pour l'estomac, ça, mais bon. J'aime trop ça en fait. Mais c'est comme la pâte à gâteau. Par exemple, la pâte à poutine. La pâte à gâteau, genre le gâteau yaourt. J'adore lécher la cuillère et tout. J'aime trop. Bref, je laisse. Je vais aller manger. Je pense que je flotterai le vlog après parce que. Voilà. Mais je vous avoue que ce soir, je vais pas me coucher tard. Très clairement parce que je suis fatiguée. Et en plus, j'ai une barre là. Bon, je vous retrouve, il est 21h22. Juste pour vous dire. Je me suis étouffée. Du coup, j'arrête pas de tousser. Bref, moi, je vais vous laisser là. Je suis dans mon lit, prêt à regarder des vidéos. Je vais regarder quelques vidéos, je pense jusqu'à 22h maximum. Et après, je vais aller me coucher parce que je suis KO. Je sais pas quand je vais vlogger parce que demain c'est dimanche. Et je vais pas vlogger clairement parce que, à part me laver les cheveux, c'est tout en fait. Je vais rien faire d'autre. Demain ça va être au repos. Lundi, il faut que j'aille à Bouygues pour des renseignements pour ce qu'il y a. Et il faut lundi qu'on rappelle SFR pour son problème de remboursement parce que j'ai toujours rien. Et normalement, c'était à compter de 10 jours. Donc, ça faisait 10 jours vendredi. Donc, je ne sais pas. Bref, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve peut-être dans la semaine pour un nouveau vlog. Je ne sais pas. De toute façon, je vous préviendrai sur Instagram et sur Snapchat. Voilà. Passe. Gros bisous. Voilà. Bisous.